Pour cette question-là, il nous demande de trouver A. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ce nombre ici sous forme d'exposant. Alors, on a 5, puis ça, c'est 5 à la 1. On a aussi 5, ceci, c'est une partie un petit peu difficile. 5 à la racine carrée, sous forme d'exposant, c'est 5 à la 1 et demi. Une demi, je m'excuse. Là, on a 5 à la 3. Et 5 à la moins 3 et demi. Il ne faut pas oublier que ceci, c'est 5 à la A plus 2. La deuxième étape ici, c'est de remettre les multiplications et les divisions. Sors ici entre le 5 et la racine carrée de 5. Il n'y a pas de multiplication, mais il faut qu'on sache que ça, c'est ce qu'on fasse ici. Start une règle. Puis ma règle, c'est ceci. Quand on a une multiplication en nombre exposant avec la même base, on peut faire une addition des exposants. Quand on a une division en nombre exposant, on peut faire une soustraction. Oopsies. Alors, ça c'est pour simplifier la question. Alors, on va simplifier. Puis en simplifiant, on va lutter toutes les 5 parce que toutes les bases sont les mêmes. Alors, on commence ici avec l'exposant de 1. On a une multiplication. Alors, on va faire l'addition des exposants avec une demi. Encore ici, on a une multiplication. Alors, on va faire l'addition des exposants en ajoutant le 3. La prochaine étape, c'est une division. Alors, ici, on va faire la soustraction de moins 3 demi. Puis, si on veut ajouter ça, ça va faire A plus 2, parce que ça, c'est la même base encore, ça, on va simplifier. Ici, 1 plus 1 demi, 1 et 1 demi, plus 3, ça fait 4 et 1 demi, moins, ici, on sait que quand on a une soustraction du nombre négatif, négative, devient une addition. Alors, ici, on a 4 et 1 demi plus 3 demi. Regardez, 4 et 4 demi. Ici, là, on a 2. 4 sur 2, ça fait 2. 2 plus 4, ça fait 6. Star. On a une réponse ici, mais ça, ce n'est pas la réponse du question. Ça nous demande de trouver A. Ici, on vient juste de trouver que 5 à la 6, parce qu'on a tout additionné, puis soustrait exposant égale à 5 A plus 2. La base, c'est la même. Alors, 6 égale à A plus 2. Ici, on peut trouver très vite que A, c'est 4. On peut mettre ça au bas, moins 2, si on veut. Puis là, ça reste A. A égale à 4 parce que 6 moins 2 fait 4. La réponse, c'est 4.